Tu connais la théorie du multivers, pas vrai? Comme dans la science-fiction ou les bandes dessinées. Accepter qu'un nombre infini d'univers existe et qu'au moins l'un d'entre eux serait exactement comme le nôtre. Même plus qu'un seul. Un nombre infini de mondes identiques. Enfin, presque identiques. Il doit y en avoir. Parce que l'infini est infini. Le 8 de l'infini. Le chiffre le plus cool de tous. Bon, contacter un univers parallèle identique, c'est impossible, non? Mais si t'es assez stupide pour essayer, une chose est sûre. Il y a un autre toi quelque part, qui essaie de faire exactement la même chose stupide au même moment. Ça, c'est du travail d'équipe. Bon, j'ai installé la puce 8K hier soir. 8K, installé. T'as ressenti ça? Bah, je sais pas, quelque chose est passé. On a vérifié l'onduleur genre une centaine de fois, le courant est bon. D'après Science du Pro, si un poisson ne mange pas, il meurt. Tu fais quoi? Quelque chose passe. Ouais, un poisson rouge. Des particules. Un motif récurrent. Ça m'étonnerait. C'est l'eau. Des particules en flux. Ok, tu m'as perdu. Eh, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'atteindre un univers identique, c'est ça? Donc plus on a de particules à faire correspondre, plus le duplicata sera parfait. Plus d'eau. Un plus grand bocal? Oui, plus grand, beaucoup plus grand. C'est encore moi qui conduis, je suppose? Oh, monte dans la voiture et on y va. Je dois voir le lac entier. La vue est dégagée plus loin. Quel samedi soir palpitant. La vache, que c'est bon d'être jeune. Dépêche-toi, on a un vent parfait. Mec, ralentis. T'inquiète, il faut de la vitesse pour traverser l'espace-temps. Y a de l'activité. Surtout dans ta tête. Vous réalisez que toute cette histoire de multivers n'est qu'une théorie, hein? C'est une probabilité. C'est une certitude mathématique. C'est dans nos têtes. Bon sang, vous avez vu ça? Ouais. Wow. Non, vite! Désolé, Amy, on peut pas ralentir les roues du progrès. T'as failli tous nous faire tuer. J'espère que ça va.
Beta, t'approche pas, j'appelle la police. Loretta, t'approches pas trop. Et arrête, c'est dangereux. Recule, Jerry, t'approches pas. Loretta, recule-toi. Non, c'est... Personne ne bouge. Ok, t'es prêt? Quand tu veux. C'est parti. C'est génial. Oh, arrête. J'ai un éventail complet de réponses émotionnelles. On a l'excitation, la tristesse, l'ennui, la libido, il y a tout ce qu'il faut. En fait, c'est comme une petite fenêtre dans ton cerveau. Je savais pas que tu trouvais le fromage grillé si érotique. Bah, comme tout le monde. Et reste concentré. Oh, pourquoi tu fais ça, mec ? Désolé, c'était pour le calibrage. C'est bon. Va te faire voir, mec. J'arrête cette merde. T'étais d'accord. Spectre émotionnel complet. On en a parlé. Écoute, je sais que j'étais d'accord. Mais je peux pas. Je suis en retard. C'était pas cool. Tu crois qu'il y pense pas? Genre tous les jours? Il essaie de pas y penser. Il dit qu'il va bien. Intéressant. Tu vois le moment où tu l'as touché? Regarde. Vous seriez pas genre... ensemble? Sérieusement? Et depuis quand? Je sais pas ce qu'on est. En tout cas, sache que... c'est bien. Je veux dire, c'est un gars vraiment sympa et tu es génial. Et c'est pas parce qu'on a perdu une petite amie ou une meilleure amie qu'on doit rester malheureux pour le restant de nos jours. Et vous êtes de vrais geeks. Qui aurait voulu de vous? Loretta? Loretta? Désolé. Loretta!
m'ennuie à mourir. Avant, on faisait plus de trucs. L'intrication quantique, vous vous rendez compte? Ouais, je pense qu'on se souvient tous de cette époque. On repoussait les limites. Pourquoi on s'est arrêté? Je pense que ça a un rapport avec le fait que ma petite amie est morte. Écoute. C'était son truc, ok? L'observation des particules massives. C'était son idée et son expérience. Mais elle est plus là. Donc on fait autre chose. C'est aussi simple que ça. Hey, salut! Quoi? Et si on y retournait, qu'on regardait les notes de Loretta et qu'on suivait ses idées? C'est ce qu'elle aurait voulu. Je ne vais pas y retourner. Mais on prendra le temps. Enfin, il y a tellement de travail fait en mathématiques qu'on serait complètement... Désolé. En fait, cette fille, elle ressemblait carrément à Loretta. Là-bas? Oui, elle vient de partir, mais... Danny! J'ai juste dit qu'il lui ressemblait, j'ai pas... T'étais pas obligé de rester pour m'attendre. Il voulait être là pour toi. Merci. Mais ça va. Il va pas rien. Il va en haut. Mais y a ta mère. Elle est là-dedans. Et si on la réveille? Comment? À cause du bruit? Ouais, c'est vrai ça. Loretta est morte. Je sais. Elle revient à pas. C'est à la route. Peut-être que si. Peut-être que non. Mais ça change rien maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? Je sais pas. J'ai vu cette fille aujourd'hui, elle... Elle lui ressemblait vraiment. Ensuite, Jerry l'a vue. Je sais. C'est juste une journée bizarre. Je suis désolé. Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi tu penses ça? Non, je t'aime comme tu es. Et ce serait pas toi. Je serais qui? Je sais pas. Mais tu serais différente. Et moi, je t'aime comme t'es. Thank you.
Allô? Salut Jerry, c'est Laure. Danny est avec toi, je sais pas où il est. Vous êtes qui? Loretta. Écoute, je suis inquiète, il est pas rentré hier soir. Amy est avec toi? Non, par contre, c'est pas drôle ce que vous faites. Ok, je suis en retard, je le chercherai après les cours. À plus tard. Chers étudiants, votre attention s'il vous plaît. Nous sommes lundi et il est 10h30. Dans exactement une heure, vous assisterez à une réunion sur les projets de groupe dans la cafétéria. Ce sera l'occasion pour vous de poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Les professeurs seront là pour vous répondre. Merci. Ouais. Je devrais pas, à ton avis? Non, honnêtement, je suis très content. Je sais pas pourquoi j'ai été si stupide. Oh putain! Jamais, jamais j'aurais cru que je devais me méfier de toi. Et t'as rien à dire? Pas un seul putain de mot? Et puis toi alors? Dis quelque chose! Comment ça, morte? Bah, morte, morte. Genre plus de ce monde, quoi. Vous trouvez ça drôle? Tu te souviens pas de cette nuit-là? Sur la route du lac? Mais bien sûr que si, je me souviens de cette nuit, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Mais je sais que je suis pas... morte. Doucement. Du coup, où est-ce que t'étais passée ces 5 derniers mois? Pourquoi vous essayez de me faire perdre la tête? Je vous vois, genre... tous les jours. Donc tu nous dis que tu t'es pas égaré quelque part, ou t'es pas amnésique, et t'as pas commencé une nouvelle vie non plus. Mais qu'en fait, rien n'a changé. Tout est normal et tu viens en cours et tu traînes avec nous, comme avant. Pourquoi vous faites ça? Et pourquoi tu veux pas me parler, toi? Mais pourquoi est-ce que tu signes? T'es censée être ma meilleure amie. Loretta, tu sais qu'elle peut pas te comprendre sans voir ta bouche. Quoi? Mais c'est... n'importe quoi, arrêtez! Oh putain. Ça a marché. Accepter qu'un nombre infini d'univers existe et qu'au moins l'un d'entre eux serait exactement comme le nôtre. Parce que l'infini est infini. Le 8 de l'infini. Le chiffre le plus cool de tous. Alors laisse-moi résumer. Tu penses que tu viens d'un univers parallèle et t'es arrivé dans le nôtre. C'est si impossible. Oui, je crois bien que oui. Écoute, la machine a été programmée pour chercher la meilleure correspondance. C'est pour ça qu'on a apporté l'équipement au lac, pour observer énormément d'eau d'un seul coup, le maximum de particules identiques observables. Observer une particule affecte sa jumelle, l'intrication. De son nom complet, intrication quantique. Exact, et tout l'intérêt était de trouver une correspondance aussi identique que possible. Alors oui, je fais partie de la correspondance, et vous tous aussi, ou des versions de vous de mon côté. Les jumeaux sont affectés. Non, tout ce qu'on faisait, c'est s'amuser. C'était pas censé fonctionner. J'y prêtais à peine attention à l'époque. On s'ennuyait, on avait peur de rien. C'était quand même ridicule. Mais si on avait continué à avoir peur de rien, et qu'on avait continué d'essayer... Sauf que c'est pas le cas. On a arrêté. Vous, non. Mais nous, si. De mon côté, dans mon univers, où je ne suis pas morte, on a continué à essayer. Nous tous. Avec du bien meilleur matériel et un meilleur rendu, plus de collisions de particules, un meilleur taux de correspondance. En supposant qu'il y ait un transfert d'énergie dans l'intrication quantique. Et si l'observateur pouvait se faire aspirer en même temps? Arthur,
Le pauvre petit, il nageait en plein dans le faisceau, et puis soudain, pouf, il a disparu. Et ça y est, vous avez un nouveau poisson. Merci pour ça. Je savais pas ce qui s'était passé, alors j'ai continué à répéter les mêmes étapes toute la nuit et rien n'a marché. Mais j'ai pu traverser. Et je le savais même pas. Je l'ai même pas senti. J'ai laissé la machine, je pensais que je l'avais peut-être cassée, mais j'étais déjà là. C'est complètement fou. Si je suis censée être morte, c'est plutôt sympa comme folie, non? Être en vie. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que les multivers, c'est de la science-fiction et que... T'es allumé. Ça va. J'ai ça aussi. C'est quoi, ça? Il y a 6 semaines, un samedi soir, je me suis tatoué ça. Pourquoi? J'étais ivre, on l'était tous. On s'est tous fait le même tatouage. Non, pas du tout. Ok, vous, non. Mais nous, si. Ou alors je suis folle et je me promène dans un rêve depuis 5 mois. Bon, Amy, je vais la ramener chez elle et retourner dans ma chambre. Je suis désolé, c'est un peu le bordel maintenant. Peut-être, mais elle est là. Elle est réelle. Alors, tu vis où? T'as plus vraiment de maison, maintenant. Ouais. Ça m'a un peu traversé l'esprit. T'étais où la nuit dernière? Chez toi. Je t'ai attendu toute la nuit dans ta chambre. Mais t'es jamais rentré. Ton numéro n'existait pas. C'était une soirée plutôt merdique. Ouais, j'ai changé de numéro il y a 3 mois. Désolée, mais être tous les deux dans ta voiture, ça peut être bizarre pour toi, et ça doit te rendre fou à mort, mais... Pour moi, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on fait depuis le lycée. J'ai continué les essais pendant ces 5 derniers mois. Avec toi. Il te faut un endroit où dormir? Ouais. Ça marche. Je vais dormir par terre, d'accord? Ok. D'accord. Tu penses qu'elle a raison? Qui? Amy. Je veux dire, c'est possible. Non. J'ai pris un coup sur la tête. Et depuis, j'erre dans un rêve. Je me suis fait tatouer et me voilà de retour à la maison. Je suis folle. Est-ce que je commence à devenir folle? Tu es très loin d'être folle. Soit je suis folle, soit il s'est passé un truc de fou. C'est un bel éventail de choix. Eh ben, peu importe ce qui se passe, c'est épuisant. Je tiens à peine debout. On peut partager le lit. Ça a pas besoin d'être... Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée. Ouais, je pense que ça tombe carrément dans la colonne des mauvaises idées. Désolée, hier ça allait dans la colonne normale. Tiens. Merci.
Amy et toi, je peux savoir? On verra ça demain. Ok. Salut, Amy. Partie chercher du café. Elle arrive. Non, je l'ai juste emmenée. C'est tout. Amy, attends. Vous êtes venue ici hier soir? Non. Pourtant, quelqu'un est venu. Enfin, regardez, des choses ont été déplacées, les tiroirs ouverts. Je comprends pas, qui d'autre a les clés? Personne. On a changé les serrures, tu te souviens? C'était il y a longtemps. Loretta? Non, c'était pas Loretta. Comment tu le sais? C'est bizarre, mec. Enfin, personne se soucie de ce qu'il y a dans nos carnets, nos registres et tout. En plus, je crois qu'ils ont rien pris. Mais ils ont tué nos poissons. C'est Arthur ou c'est le... l'autre Arthur? Je sais pas. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Arthur est mort. Et alors? C'est juste un poisson. Un poisson qui est passé de l'autre côté. Comme moi. Alors ça veut dire quoi? Eh oh! Il y a quelqu'un?
putain! Vous êtes sur les répondeurs d'Evans. Nous ne pouvons pas prendre votre appel pour le moment, alors laissez un message. Allô? Allô? Qui est-ce? Pourquoi vous avez le téléphone de ma fille? C'est qui? C'est quelqu'un qui appelle du numéro de Loretta. Qui? Personne ne parle, mais j'entends une respiration. Je vous entends, vous savez. Comment vous avez eu ce numéro? Qu'est-ce que vous voulez? Donne-moi le téléphone. Hé, qui que vous soyez, si vous appelez encore ce numéro, on appellera la police, c'est compris? Vous m'entendez, n'est-ce pas? Hein? Allô? Salut. J'aimerais te parler. Au cas où tu te demanderais, j'ai pris une chambre d'hôtel. Danny m'a prêté de l'argent. Pour que je, tu sais, trouve comment redevenir une personne. Écoute, ce genre de choses n'est pas vraiment normal. Tu sais, c'est difficile de savoir ce qui est bien ou non. Mais je me soucie vraiment de Danny. Et je me soucie vraiment de toi. Et Danny, il est complètement fou allié en ce moment. Donc, je pense qu'on devrait le laisser respirer et être amis, nous trois. Je sais, grand discours, plutôt dramatique. Je suis désolée pour ça. Non. Tu es très Loretta. J'ai toujours trouvé aussi. Tu m'expliques ce qu'on fait. Ça gâcherait tout le mystère. Le mystère, c'est pas ce qui manque, mec. Depuis quand t'as les clés de cette superbe suite? Mon père pensait que ça forgerait mon caractère si j'avais un emploi sur le campus. Apprenti concierge. T'as tenu combien de temps? 10 minutes? Plutôt 7. Mais ça m'a donné accès à ces merveilles du campus. C'est là que je viens penser.
Depuis quand? Depuis que j'ai fait un double. Bon, pourquoi tu m'as amené ici? Quoi, t'aimes pas penser? Oh. Oh, c'est quoi ça? Du fioul pour penser. Du genre coûte... Dégueulasse. Tu crois à la contagion de l'hallucination de masse? Comment ça? Un groupe de personnes qui pensent avoir vu quelque chose d'impossible mais qui ont en fait vu exactement la même chose. Tu parles de Loretta? Danny, de quoi d'autre je parlerai? Je veux dire, c'est un peu le sujet du mois, non? Eh ben, je pense pas que Loretta soit une hallucination de masse. Bien. Tu as raison. Maintenant, tu penses qu'elle a été aspirée d'un univers alternatif vers celui-ci? Ou plutôt qu'elle a disparu pendant 5 mois et qu'elle est devenue complètement folle? Non, Loretta est pas du genre à devenir folle. Donc tu lui fais confiance? Ouais, je suppose que oui. Tu me fais confiance aussi, non? La plupart du temps. Tu vas vouloir un autre coup. Tu fais tomber beaucoup de choses dernièrement? Ça m'arrive, ouais. Faiblesse musculaire? Je sais pas, pourquoi? T'as vu ce qui est arrivé à l'autre poisson, non? Ouais, mais c'est une créature délicate, mec. Ouais, d'accord. Changer d'univers a tué un poisson, mais ça signifie pas que Loretta est en danger. Mais qu'est-ce qui te fait croire que c'est le nouveau poisson qui est mort? Eh ben, je sais pas. Laisse-moi te montrer quelque chose. Attends, t'es... Tu étais avec moi. On a lu les journaux de bord de Loretta. J'ai appuyé sur tous les boutons, puis tout d'un coup... Pouf! On arrive là. On n'a même pas senti. J'ai cligné les yeux et on était ici, dans ce monde, et il est identique au nôtre. Mais il y a 2 versions de chacun d'entre nous. Il y a un autre moi, et il y a un autre toi. Enfin, pas exactement comme toi. Mec, je crois que je suis bourré. Quoi que Loretta ait fait, elle a ouvert une sorte de... tunnel. Sauf qu'il est à sens unique. Tu vois, il n'y a pas de machine fonctionnelle de ce côté pour nous ramener. Alors t'es coincé ici? C'est encore pire. Voilà ce que j'ai pu comprendre. Un univers ne peut pas entretenir 2 versions identiques de la même masse. Ça défie genre 1 million de lois physiques différentes. C'est pour ça que tu te sens hyper mal. C'est pour ça que l'autre poisson est mort. Peu importe la version qui échoue, il doit rester qu'un exemplaire à la fin. Appelle ça une correction. C'est comme ça que l'espace-temps se régule. Sauf Loretta, elle n'a pas ce problème, car sa version est déjà morte. Maintenant... je veux que tu saches que malgré ce que tu ressens actuellement et malgré ce que tu vas ressentir, tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours un Danny dans ce monde. Et c'est mon ami. Et il va s'en sortir. Une correction pour mon ami Danny.
tu as des empreintes digitales. Ton ADN, je veux dire, ils doivent te rendre ton identité, ils ont pas le choix. Comment je suis censée expliquer les 5 derniers mois? Peu importe comment tu l'expliques, tu es là, tu es vivante. Comment je peux savoir si mon ADN est le même? Loretta, regarde-toi! Exactement le même. Enfin, on sait pas. Très bien. On va le tester. On a tes anciens carnets, il doit y avoir un cheveu, un bout de peau là-dedans. Enfin, tu peux pas être sans abri pour toujours. C'est si mal d'être un sans-abri? Tu détestes ta maison. Oui, mais malgré tout, j'aime son confort. Au fait, t'as une sale tête. Merci. Et t'as l'air en pleine forme, pourquoi ça? Je sais pas. Tu sais, je me sentais un peu mal ces temps-ci, mais... maintenant, je me sens super bien. Donc ouais. Eh, Dani, on peut parler? Bien sûr. Seul. T'es quoi, une conseillère d'orientation? C'est bon, je dois aller acheter des vêtements pas chers, de toute façon. Ok. Salut. Quoi? Tu dois parler à Amy, et tu dois lui parler très gentiment. Pourquoi je dois parler à Amy? À ton avis? Je sais pas, dis-moi ce que tu penses. Non, mais mec, toi et elle... t'as tous les droits de te remettre avec Loretta, mais tu pourrais être honnête au moins. Amy? Mec, c'est quoi ton problème? Depuis 5 mois, t'as une épave, et maintenant quoi? Tu profites? De quoi tu parles, Jean? Mec, tu agis vraiment comme une ordure, là. Je vais pas remettre en question un expert dans le domaine, hein. Alors? Putain de merde! Tu te sens bien? Tu te sens fort? Comment t'as réussi à faire ça? Oh, t'es pas encore au courant, hein? Non, mec, je sais pas pourquoi t'es bizarre aujourd'hui. Rappelle-toi, tout ce qu'on a dans ce monde, c'est l'autre. Tu ferais mieux de me dire exactement ce qui se passe avant que je te vire de ma voiture. Eh bien, assieds-toi bien, mon pote. T'as perdu la tête? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tout ce que tu dis. Tu viens de quitter l'autre moi là-dedans. Tu penses que c'est un putain de tour de magie? Donc tu veux que je croie? Qu'en fait, Amy n'est pas notre Amy? Et... que Loretta est morte? Mais pas notre Loretta! Danny, regarde. Tu vois, je sais que t'as eu ça aussi.
La faiblesse, les tremblements, c'est comme si quelque chose allait très mal. Mec, je me sens bien. C'est parce que je t'ai sauvé la vie. Je t'ai rendu unique dans ce monde. C'est une grosse faveur que je t'ai faite, mon ami. De quoi est-ce que tu parles, là? Maintenant, c'est ton tour. J'ai fait ma part. J'ai besoin que tu élimines l'autre moi. Ok, d'abord, t'as complètement perdu la tête. Et ensuite, je vais tuer personne. Surtout pas toi. Il n'est pas moi, je suis moi. C'est exactement toi, mec. Bordel, je viens de parler avec lui. C'est le même Jerry que j'ai connu toute ma vie. Tu sais quoi? Il était plus réel que toi en ce moment. Rien de tout ça est réel, putain, tu comprends pas? Nous sommes les vrais nous. C'est pas un passage dans l'autre univers. On est dans notre univers. Alors pourquoi tu vas pas te tuer toi-même? J'ai essayé. Crois-moi, j'ai essayé. Putain ! Te tuer était bien plus facile. T'as pas pris tes médocs, mec. Danny, tu sais quoi ? Ce Jerry à l'intérieur. Apparemment, il prend pas de médocs. Alors maintenant, j'ai besoin que tu m'aides, d'accord ? Allez, mec, tu me dois bien ça. Je ferai de mal à personne. Il peut pas y avoir deux versions de chacun. C'est la conservation de la masse ou de l'énergie, qui sait. Mais l'effet secondaire est une atrophie neurologique rapide. On peut régler tout ça que d'une manière. Je vais pas te tuer, Jerry. Je suis désolé. Je te demande pas de me tuer. Je te demande de me sauver, putain de merde! Il y aura toujours un Jerry dans ce monde. Peu importe lequel c'est. Mais je préférerais que ce soit moi. Non. Bien! Heureusement que je l'ai fait pour toi. Les amis et la famille ont assisté aux funérailles de Loretta Vance, âgée de 19 ans, ce samedi, après son décès tragique la semaine dernière. La scène était très émouvante, car sa mort prématurée a choqué la communauté et a privé le monde d'un prodige scientifique remarquable, aimé par tant de personnes. La police n'a pas encore révélé l'identité des passagers du véhicule, dont la chute rapide a entraîné Mademoiselle Vance vers la mort. Nous savons que l'explosion du réservoir de carburant a consumé les victimes au point de les rendre méconnaissables. Mais la police reste perplexe quant au fait qu'aucun rapport de personnes disparues n'a été déposé à l'époque ou depuis. La nuit de l'accident mortel, les amis de Loretta ont signalé une quasi-collision avec l'automobile qui a explosé juste avant de tomber du point de vue d'observation. Le petit ami de Loretta, Daniel Lewis, a exprimé son immense chagrin dans un bref mais déchirant éloge. Personne n'était aussi attentionné que Loretta. Personne n'était aussi intelligent. Il n'y aura jamais une autre Loretta, parce que c'est impossible. Je ne me remettrai jamais de ce drame, car la vie n'aura plus aucun sens maintenant. Du moins, pas pour moi. Amy, salut! Viens! Mm-hmm.
Je sais. J'ai quelque chose à te dire avant. Bon. Je sais qu'avant que Loretta revienne, toi et moi, on se rapprochait. Laisse-moi finir. Je pense juste que maintenant que Loretta est de retour, je pense que c'est plus juste pour tout le monde. Tu sais, si on prenait notre temps... Non. S'il te plaît, arrête. Stop. Amy, je suis vraiment désolé, ok? Écoute, je voulais te le dire. Je tiens vraiment à toi. C'est quoi ce bordel? Non. Non, c'est pas possible. Allô? Jerry, c'est toi? Oui, qui c'est? Ouf, ton numéro marche. Ouais, mais c'est qui, là? C'est Amy. T'es qui? T'es avec Amy? Tu vas jamais me croire. Je suis sourde. Je suis censée être sourde. Qu'est-ce que... Amy, t'as des soucis? Qu'est-ce qui se passe? T'es avec qui? Je suis seule. Écoute, je crois que j'ai compris quelque chose. On est passé de l'autre côté, tous les deux. Amy, arrête, tu me fais flipper. Pourquoi tu me parles comme ça? Et comment tu peux m'entendre? Amy, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée, je me suis trompée. Vous êtes sur le répondeur d'Amy. Puisque laisser un message vocal à Amy est vraiment stupide, veuillez raccrocher et lui envoyer un SMS. Je te le fais.
Génial. Il y a des versions de nous qui se baladent dans la ville. Fantastique. C'est quoi ce délire avec nos muscles? Le poisson est mort. Oui, je sais. Les deux poissons ralentissaient et coulaient au fond de l'eau. L'un d'eux est mort. Maintenant, l'autre va bien. Donc, tu dis que nos doubles à chacun vont mourir? Ou nous mourrons. Putain de merde. Je veux savoir où se trouve Danny. Mon Danny. Et moi, autre chose. Où je me trouve, moi? Ralentis, s'il te plaît. C'est pas le moment de ralentir. Tu me fais peur. Bon sang, pourquoi tout le monde est si sensible? Arrête la voiture, c'est pas drôle, Jerry. Voilà. C'est quoi ton problème? Juste un manque de sommeil. Beaucoup d'action dans ma tête. Tu savais que les plus grandes figures de l'industrie de masse, Carnegie, Rockefeller, Getty, ont tous amassé leur fortune exactement de la même manière? Bill Gates? Non, j'emmerde Bill Gates! Je parle des vrais grands milliardaires. Ils ont construit leur fortune en utilisant des ressources naturelles. L'eau. La ressource la plus abondante de la planète, mais personne n'a encore trouvé comment l'utiliser pour faire quelque chose de vraiment extraordinaire. Mais nous aussi. Chaque lac, chaque rivière, chaque océan est un flux de particules suffisant pour changer l'univers. On savait même pas que ça s'était produit. Et encore moins comment. Non, on trouvera comment, car on pose les bonnes questions. Et tu y as bien contribué. Simplement contribué? C'était mon idée. Vous avez arrêté. De mon côté, j'ai continué d'essayer. On a continué. Regarde. C'est pas vrai. T'es passé à travers? Eh ouais. Bon, peut-être qu'on savait pas exactement ce qu'on faisait, mais on a réussi. Avec ça, on peut tout révolutionner. On trouvera une solution. On va construire une nouvelle machine. Je veux qu'on soit partenaire. Changeons la science. Ok. Bien. Mais j'ai froid. Je suis fatiguée. Et je veux rentrer. Partenaire? Wow, tu devrais vraiment voir quelqu'un pour ta main. Je sais exactement qui aller voir. T'es encore là? Ou je pourrais être d'autre? Tu veux une bière? Bien sûr, ouais. Donc, Amy, c'est, au fait, à propos de toi. Oui, j'ai un peu compris quand elle m'a crié dessus. L'autre toit est toujours là, hein? Ouais. Tu pourrais m'aider, d'ailleurs? Je t'ai dit non et je le pensais. Où il est? Qui? Danny, le vrai Danny! Tu sais, la vie serait bien plus simple si on mettait que des manches courtes. Je t'emmerde! Non, arrête, mec! T'es pas comme ça, toi! Regarde-toi, tu peux à peine marcher! Si t'as quelque chose à dire, dis-le! On est tous dans le même bateau! Où est Danny? Je suis Danny! Non, notre Danny! Il est mort! Il reste que moi, d'accord? Comment c'est possible? Tu veux vraiment savoir? Tu l'as tué! Et t'as même pas versé une larme! Tu le voyais comme un problème, et tu t'en es occupé! Non, non, je te crois pas, j'aurais jamais pu faire ça! T'as dit que tu l'avais fait! Et t'es qui pour te traiter de menteur? Non, non, tu veux dire l'autre moi! Mec,
toujours été une sorte de bombe à retardement. Mais je suis pas un tueur. Notre Amy n'est pas sourde, tu le savais ça? Oui, je sais, je l'ai rencontrée au téléphone. Il y a des différences alors? Il semblerait. Eh bien, notre Jerry est un peu différent lui aussi. Comment ça? Imagine-toi. Mais avec beaucoup moins de contrôle. Et imagine ce qu'un type comme toi ferait s'il pensait que tout ça n'était pas réel. S'il pensait que tout était un rêve. Tu te rends compte que tu te comportes comme un fou? C'est très relatif, la folie. T'as pas pris tes médicaments, hein? Les médicaments m'ont fait agir selon des règles bien établies. Ce sont des chaînes autour de la pensée vraie. J'ai brisé ces chaînes. Ok, tu dois te calmer. Qu'est-ce que tu comprends pas? C'est ce dont nous rêvons, c'est notre terrain de jeu, et c'est en putain de 3D! C'est là que t'habites? Pas loin, ouais. Pas loin? C'est un peu grossier, je pensais qu'on était partenaires. Je suis fatiguée, tu pourrais partir. Tu te fous de moi alors? Parce que j'aime pas qu'on se foute de moi! C'est notre terrain de jeu en 3D, Jerry. Je peux me foutre de qui je veux! Je me demandais quand tu allais débarquer. Comment tu es entrée ici? Normalement. C'est pratique. Ça doit t'aider à te faire des amis. Tu veux quoi? J'ai personne à qui parler, tu sais. Je veux pas te parler. Tu me fais peur. Je comprends. Je pense que j'ai aussi fait peur à maman. Est-ce qu'elle sait? Elle savait quelque chose. Que j'étais pas tout à fait toi. Tu peux entendre. C'est plutôt effrayant. Ils ont dit que j'avais de la chance. Il y avait 90% de risque que je sois sourde. On dirait que j'ai gagné le pile ou face. Tant mieux pour toi. Désolée que ça ait été différent pour toi. Pour moi. Viens. Je comprends. Tu sembles être quelqu'un de gentil. Plus gentil que moi, probablement. Je suis un peu dérangée. Je suis pas une très bonne fille. Pas dans mon monde. Comment ça? Quand j'étais petite, elle était pas normale. Pas comme moi. Ou comme papa. À cause d'elle, on était différents et je l'ai détestée pour ça.
J'étais trop stupide pour voir qu'il n'y avait pas de mal à être différent. Félicitations pour ton ouverture d'esprit. Je suis tout simplement pas comme toi. Ta mère a la fille qu'elle mérite. Je fais pas le poids. Elle a l'habitude d'être aimée. Je peux pas blesser deux versions de ma propre mère. Je suis pas un monstre. Tu vas faire quoi ? Toi, tu vas t'occuper d'elle. Fais en sorte que chaque jour compte. Et moi, je m'occupe de nous. Danny, il a complètement pété les plombs. Qui ? À ton avis. Oh, ok. C'est ce que je redoutais. On doit trouver Amy. Tu l'as tué ? L'autre Danny ? Comment tu peux me demander ça ? Bah alors il est où ? Il est plus là. Qui l'a fait partir ? À ton avis.
dehors, toute la nuit. Tu sais à quel point j'étais inquiet, jeune homme? T'as tué mon meilleur ami. Alors devine quoi, je rigolerai pas à tes blagues. Où sont les parents? En Californie. C'est pratique. Pourquoi ça? On pourra identifier nos petites différences. Avant qu'ils rentrent à la maison. Tu penses vraiment qu'ils vont pas remarquer que t'es pas moi? Mais je suis toi, bon sang! Allez, Jerry, c'est franchement bien sympa. Une chance d'apprendre à te connaître vraiment. Tu veux quoi? Eh bien... on dirait bien que dans cette ville, il y a de la place que pour l'un d'entre nous. Mais il y a une... grosse différence entre toi et moi. Juste une. La différence est que je sais ce que je veux. Et ça, mon ami, c'est la clé de la survie. Lâche-le! Il est venu pour me tuer! Lâche-le, je t'ai dit! Je peux pas! Regarde-le! Il va tous nous tuer! Il est devenu complètement fou! C'est lequel? Je pensais que c'était fini. C'est pas encore terminé. Si, il le faut. On peut se compter, s'il vous plaît. J'ai un mauvais pressentiment avec cette route. C'est même pas toi qui as été tué la dernière fois. Tellement de façons de mourir. Si peu de temps. C'est glauque. Aussi glauque que cette semaine. Bon sang. Je sais pas comment j'ai fait pour surmonter ça. T'es pas obligé. Putain! Mec, faut nous sortir d'ici. Personne ne bouge, putain de merde! Fais marche arrière! Putain, mais fais marche arrière! Allez, Jerry! J'essaie! Tu crois que je fais quoi? Oh, putain! Tenez bon, que tout le monde s'accroche!
Loretta, recule-toi! Non, c'est... C'est nous! La théorie du multivers, pas vrai? Accepter qu'un nombre infini d'univers existe et qu'au moins l'un d'entre eux serait exactement comme le nôtre. Même plus qu'un seul. Un nombre infini de mondes identiques. Enfin, presque identiques. Il doit y en avoir. Parce que l'infini est infini. Le 8 de l'infini. Le chiffre le plus cool de tous. T'as ressenti ça? Moi? Bah, je sais pas, quelque chose est passé. D'après Science du Pro, si un poisson mange pas, il meurt. Tu fais quoi? Quelque chose passe! C'est l'eau. Des particules en flux. Mais laisse-moi voir. Plus d'eau. Un plus grand bocal? Oui, plus grand. Beaucoup plus grand. Je suppose que c'est encore moi qui conduis? Oh, monte dans la voiture, on y va.